Joyeux solstice d'été, mes très chers yogis, mes très chers yoginis. J'espère que le vôtre sera merveilleux. Aujourd'hui, je vous propose un petit flow assez amusant, assez libre pour célébrer cette période de l'année où on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux. J'espère que ça saura vous plaire. À tout de suite sur le tapis. Aujourd'hui, vraiment un flow sans prétention. Je vais vous proposer des postures, mais vous en disposez librement. Remplacez une posture par une qui vous plaît mieux. Laissez-vous porter par votre souffle et par votre flow. C'est tout ce qui va compter aujourd'hui, d'accord? Ne vous sentez pas obligé de me suivre. Mais si vous voulez bien, on va se rejoindre malgré tout, tout en haut du tapis. Posture de la montagne pour une petite salutation au soleil avec beaucoup de variantes. On se prend pas la tête aujourd'hui, d'accord? On respecte pas les traditions, on se laisse porter. Les deux pieds bien sous les hanches. Commencez par prendre conscience du sol sous vos pieds. Commencez à vous grandir vers le ciel, la montagne, les pieds dans le sol, la tête dans les nuages. Et sur une grande inspiration, on va venir croiser les bras juste devant nous et les ouvrir. Et s'étirer, expirer vers le bas en ouvrant un petit peu les épaules. Encore une fois, inspirez, croisez, décambrez le dos et ouvrez, expirez. Une dernière et on fait suivre la salutation. Inspirez, ouvrez et expirez, descendez tout en bas. Lâchez la tête, pliez un tout petit peu les genoux et mettez votre main droite sur le sol, juste sous votre tête. Pliez la jambe droite et ouvrez le bras gauche vers le ciel. Torsion, détendez l'épaule. Expirez, redescendez, remplacez la main droite par la gauche. La jambe droite se tend, on inspire, on ouvre le bras droit. Expirez pour redescendre. Inspirez pour remonter dos plat, les mains vont planer vers l'arrière, trouvez plein d'espace de légèreté. Et expirez pour redescendre jusqu'en bas. Posez les mains au sol, posez votre pied gauche loin derrière ou votre genou, au choix, ce que vous préférez. Grandissez-vous juste un tout petit peu, allongez le ventre, baissez le bassin, grand souffle. Expirez pour redescendre, planche ou demi-planche, les genoux au sol, les coudes pieds levés, au choix. Et doucement, on va se laisser descendre à plat ventre. Serrez un petit peu le bassin, le ventre et descendez. Retenez votre poids autant que vous pouvez. Posez le bassin, le front, les coudes pieds. Cobra, roulez les épaules vers l'arrière. Montez uniquement avec votre dos. Poussez les pieds dans le sol. Les mains ne sont d'aucune aide. Expirez pour redescendre. Détendez le creux des reins. Puis recroquevillez les orteils. Et chien, tête en bas. Repoussez-vous sur vos bras solides. Montez les fesses. Et étirez tout votre dos. Détendez le cou, la nuque, les épaules. Un souffle ici complet. Ressentez le sol sous vous à nouveau. Et puis regardez vers l'avant. On va marcher tranquillement vers nos mains. D'une façon complètement libre. Prenez votre temps. On revient en pince debout. Placez bien vos pieds. Ancrez-les dans le sol. Inspirez dos plat. Tendez les jambes. Les bras planent vers l'arrière de la pièce. Les épaules s'éloignent des mâchoires. Et beaucoup de liberté quand on redescend et qu'on relâche les bras. Plantez les pieds, montez tout en haut, croisez les bras juste devant vous, ouvrez-les, étirez-vous, expirez, relâchez. Superbe. On est reparti tout de suite, on enchaîne. Inspirez, les bras se croisent devant nous. Et on en profite pour expirer, descendre jusqu'en bas. Main droite sous le visage, jambe gauche se tend, inspirez, ouvrez le bras gauche. Expirez, échangez. Inspirez, ouvrez le bras droit. Expirez, changez. Les deux mains reviennent sous les épaules, dos plat, les bras planent. Long ventre, long dos, long cou éloigné, les doigts. Expirez, descendez. Main au sol, fente sur la jambe droite, genou décollé ou non. Trouvez de l'espace, de la grandeur. Vous pouvez croiser à nouveau les bras et les ouvrir. Beaucoup d'espace, de lumière, de joie. Redescendez. Planche ou demi-planche, solide. Et on peut se laisser descendre à plat ventre à nouveau. On va rester un petit peu au sol ici. Détendez votre bassin, détendez les poignets si nécessaire. Quelques petites variantes du cobra. Le front au sol, les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes serrés vers les côtes. On va commencer par un cobra sans les mains, comme tout à l'heure. Poussez
les deux jambes l'une vers l'autre et vers le sol à la fois. Décambrez le dos pour que le coccyx descende et que le pubis s'appuie sur le sol. Inspirez, décollez la tête, peut-être la poitrine, mais en tout cas, ce sont les muscles du dos qui vous tiennent. Les mains sont libres. Expirez, reposez. Détendez le creux des reins un petit peu en roulant les hanches sur le sol. Et les mains, on s'appuie dessus peut-être un tout petit peu maintenant. Roulez les épaules vers l'arrière, montez en cobra, peut-être un tout petit peu plus haut. Détendez le cou. Expirez, redescendez. Puis inspirez, étirez les bras loin devant. Expirez, nagez vers l'arrière, peut-être décollez le front, regardez en diagonale vers le sol, tendez les jambes, les bras. Expirez, relâchez. Inspirez, cobra, simple à nouveau, montez. Et expirez, reposez au moins le ventre et essayez de voir si vous pouvez décoller les mains, ouvrir les bras. Encombre un petit peu le dos et reposez. Superbe, recroquevillez les orteils et on va venir en chien tête en bas. Montez les fesses, détendez le dos. N'hésitez pas à bouger, rappelez-vous qu'on est là pour s'amuser. Trouvez du mouvement qui peut vous faire du bien, peu importe ce à quoi ça ressemble. Concentrez-vous sur les endroits où vous avez besoin d'alléger, de soulager. Peut-être les chevilles, peut-être les mollets, peut-être les cuisses ou les bras ou le dos. Scannez votre corps mentalement, voyez ce que vous pouvez adoucir. Et grand inspire, regard vers l'avant. On va marcher ou sauter vers nos mains. Trouvez ce qui vous fait du bien. Peu importe à quoi ça ressemble. Pince debout. Détendez le visage, le cou, tout le dos. Main droite sous le visage, on tord à gauche. Grande inspiration. Expirez, descendez, échangez. Lâchez la tête entre les deux. Expirez, lâchez. Dos plat, les bras planent, les jambes se tendent. Expirez, relâchez. Montez tout en haut, les bras se croisent juste devant nous. Et on les ouvre vers le ciel, on s'étire, on décambre le dos. Détendez les poignets, soufflez. Ah, superbe. Détendez le visage. Grand sourire, pensez au soleil. Visualisez-le peut-être. Et on est reparti, pliez légèrement les genoux, les bras se croisent devant nous. Ouvrez, saluez le soleil comme si vous veniez de vous lever. Expirez, descendez tout en bas. Inspirez, dos plat, les bras planent. Allongez le ventre, le dos, le cou. Expirez, descendez. Torsion à gauche, grand souffle. Expirez pour la torsion à droite. Les doigts s'étirent vers le ciel et sur la prochaine expire, on relâche. On plie les jambes suffisamment pour poser les mains et on part en fente, puis en planche. Les deux mains bien sous les épaules, détendez le creux des reins et repassez plat ventre ou bien si vous voulez Chaturanga Dandasana, petit mouvement d'avant en arrière, puis on regarde loin devant, on place tout notre poids vers l'avant du tapis et on descend à moitié angle droit au niveau des coudes et puis on peut plonger en chien tête en haut. N'hésitez pas aussi en chien tête en haut à bouger un peu, on le fait souvent de façon très figée ou entre le plat ventre et le chien tête en bas. Mais n'hésitez pas à rouler un peu sur un côté, regardez derrière. Roulez sur l'autre côté, regardez par-delà votre épaule droite. Ok, revenez vous poser à plat ventre. Posez le front, les coups de pied. Étirez les bras loin devant. Paume à plat sur le sol. Les pieds loin derrière, coups de pied à plat sur le sol. La pulpe des doigts bien appuyée loin devant, les bras très tendus. Inspirez, décambrez le dos et essayez de décoller les pieds autant que vous pouvez et surtout de les étirer loin vers l'arrière. Respirez, grande inspiration et soufflez bien. Puis posez délicatement les cuisses, les genoux, les coups de pied. Posez le front et cette fois-ci, inspirez, décollez les bras. Étirez les doigts loin, loin, loin vers l'avant. Et si vous le souhaitez, décollez aussi la tête. Regardez en diagonale, plutôt vers le sol. Essayez de décambrer le dos, surtout si vous sentez un étirement très intense. Et rappelez-vous, pas de pincement.
Expirez pour reposer tout au sol. Détendez tout. On va venir. Même chose, inspirez. Poussez le bassin dans le sol, décollez les pieds, puis décollez les mains, peut-être, si c'est accessible. Et là, on va s'amuser un petit peu. On va bouger les pieds, bouger les bras. Ça rend la posture beaucoup plus tenable. Je sais pas si ça se dit. Et peut-être vous pouvez essayer de toucher votre pied droit, votre pied gauche. Vous pouvez passer temporairement en petite posture de l'arc. Trouvez, étirez les bras comme vous voulez. Bougez, bougez. Amusez-vous. Je pense que c'est une séance très agréable à faire dans son jardin, si on en a. À l'abri du regard des voisins. Continuez, soufflez bien. Et ensuite, quand vous en avez assez, reposez tout. Les deux pieds bien à plat. Les mains, la tête. Soufflez. Sentez les battements de votre cœur, peut-être sur le sol. Massez les hanches sur le tapis pour tout détendre. Puis les mains reviennent de chaque côté de la poitrine, les épaules roulées vers l'arrière, les coudes vers le plafond. On recroqueville les orteils et bien sûr, chien tête en bas, prenez votre temps. Ok, inspirez, expirez, allongez votre dos, vos jambes. Grand sourire pour regarder vers l'avant du tapis. Et cette fois-ci, peut-être qu'on peut essayer de faire deux grands pas vers l'avant. Ch'touk, ch'touk et lâchez le poids du corps. Inspirez, dos plat, les bras se tendent. Expirez, relâchez. Torsion à gauche, main droite sous le visage, jambe droite pliée. Et on échange, expirez. Lâchez la tête, inspirez, torsion à droite. Expirez, redescendez. Lâchez la tête, croisez les bras juste sous votre tête et ouvrez tout vers le ciel à nous. Expirez. Détendez les poignets, le cou, tout ce que vous voulez, les genoux. Emplissez tout l'avant du buste d'air avant qu'on reparte. Oxygénez-vous. On est reparti. Croisez les bras juste devant vos genoux souples. Inspirez, étirez-vous. Expirez jusqu'en bas. Inspirez pour remonter, dos plat, allongez tout. Expirez, descendez. On passe les torsions cette fois-ci. Les mains vont venir au sol et uniquement le pied gauche va partir loin derrière. Posez votre genou gauche au sol. Trouvez votre fente basse. Grandissez-vous. Et ensuite, venez reposer les mains sur le sol et votre pied gauche va venir se décaler vers la droite de votre tapis. La jambe sera parallèle à l'avant du tapis. D'accord ? Superbe. Redressez votre buste à nouveau. Grandissez-vous, peut-être que le ventre est vers le bord long du tapis. Et on va venir inspirer, ouvrir le bras gauche vers le ciel et pencher un petit peu vers la droite. Et expirez pour partir en posture du portail. La main gauche vient se poser sur le sol et on tend. La jambe droite, ouvrez le bras droit. Détendez le visage, ouvrez le cœur. Revenez doucement en fente basse. Inspirez une deuxième fois pour partir vers votre jambe droite. La main droite peut vous aider, hein, on appuie. Expirez, posture du portail. La jambe droite se tend, la jambe gauche reste où elle est. Essayez de vous ajuster, serrez le nombril, poussez un peu le bassin vers l'avant. Et revenez. On a fini pour ce côté. On revient en fente basse. Choup. Puis, planche ou demi-planche. Plat ventre, cobra, chaturanga, chien tête en haut, à votre guise. N'hésitez pas à varier les plaisirs. Expirez, revenez en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, on va faire, d'accord ? Inspirez pour regarder vers l'avant et marchez avec votre pied gauche jusqu'à ce qu'il soit entre vos deux mains. Posez le genou droit et trouvez votre fente basse en décollant un petit peu le ventre de la cuisse. Hanche droite vers l'avant du tapis. Oxygénez-vous à nouveau et ensuite, reposez vos mains. Dirigez votre pied droit vers la gauche du tapis. Installez-vous bien, n'hésitez pas à vous ajuster un petit peu sur le tapis. Et à nouveau, quand vous êtes stable, dressez à nouveau le buste. Inspirez, le bras droit s'éloigne, puis on penche vers la jambe gauche. Vous pouvez garder votre coude sur
votre genou. Détendez les épaules. Et expirez. Attention à la posture du portail. On ouvre. Le bras gauche vers l'arrière et on essaye de tendre la jambe gauche. Respirez bien. Et on revient. Repliez la jambe de devant. Ouvrez tout le côté droit du buste. Respirez. Et expirez, on repart. Portail le dernier. Tendez la jambe gauche délicatement. Posez votre pied gauche au sol, parallèle à l'avant de votre tapis. Ouvrez le bras gauche loin derrière. Repoussez un petit peu le sol avec votre jambe droite et votre main droite. Et attention, on revient. Fente basse, le pied gauche se rappuie bien à plat. On encadre le pied gauche. On revient. La jambe droite dans le bon axe. Les deux mains encadrent à nouveau notre pied droit. On repasse en fente, en décollant le genou droit. Un petit mouvement d'avant en arrière et on se rejoint en pince debout. Détendez le creux des reins. Encore une fois, trouvez du mouvement fluide, fun, amusez-vous. Bougez un petit peu les jambes, les bras. Attrapez vos coudes. Superbe, lâchez les bras. Immobilisez-vous. Et sur votre prochaine inspire, on monte dos plat. Toujours en planant avec les bras qui fondent vers l'arrière. Et expirez pour redescendre. Croisez les bras juste sous vous. Plantez les pieds, montez. Ouvrez-vous. Et expirez. Et tirez les bras. Détendez un petit peu le creux des reins si nécessaire. N'importe quel mouvement fera l'affaire. Et détendez les épaules. Grand sourire. Avant qu'on reparte. Que de bonnes intentions. Que de bonnes énergies. On est parti. Les genoux souples, on inspire. Les bras se croisent. N'hésitez pas à arrondir un peu pour mieux ouvrir. Et expirez, descendez tout en bas. On passe encore les torsions. Grand inspire, dos plat. Expirez, descendez. Inspirez, posez les mains au sol et faites partir votre genou ou votre pied directement loin vers l'arrière du tapis. Le pied gauche s'éloigne, le pied droit reste bien sous le genou droit. Stabilisez vos jambes et quand vous êtes prêt, décollez le pied gauche et venez le poser perpendiculaire au pied droit pour votre triangle. On commence par essayer de tendre les deux jambes, c'est très important. Et ensuite, la main droite peut rester là où elle le souhaite, sur le sol, sur le tibia, ou on peut monter sur la cuisse si c'est plus agréable et ouvrir le bras gauche à partir de là. Après, si vous le souhaitez, si vous sentez que vous vous chauffez, vous pouvez glisser un petit peu plus bas, si c'est agréable. Seulement si c'est agréable. Grande inspire. On va continuer à s'amuser un petit peu avec les postures. On va faire des grands cercles de bras avec notre bras gauche. On va inspirer tout en haut et expirer, partir vers l'arrière, le bas et remonter en inspirant. Expirez, on descend, on inspire, on monte. Encore, on descend en soufflant, on monte en inspirant. Léger sur la main droite, on continue. Allez, un dernier. Étirez-vous bien, poussez un peu l'arche droite vers le milieu du tapis. Et descendez en fente à nouveau. Prenez le temps de glisser votre pied gauche sur les orteils, les mains de chaque côté du pied droit. Reposez les paumes bien à plat. Transition de votre choix jusqu'au chien, tête en bas. On peut descendre doucement en plein ventre. Faire un petit cobra, on peut même s'amuser un petit peu. Et chien tête en bas, comme vous voulez. Ah, soufflez un petit peu. N'hésitez pas à plier un peu les genoux. Hein. Surtout pas. Détendez bien tout. Secouez-vous si vous voulez. Ok, grand inspire. Grande expire. Regard vers l'avant et le pied gauche va faire son chemin vers nos mains. Le genou droit reste décollé. Et dès que vous êtes stable au niveau des jambes, posez votre pied droit perpendiculaire au pied gauche. Tendez vos deux jambes pour le triangle de ce côté. Choisissez où votre main va venir se déposer. Et inspirez pour ouvrir le bras droit vers le ciel. Ouvrez les épaules. Détendez le visage. Serrez tout sur une même ligne qui est au centre du tapis. Et on est parti pour les grands cercles, d'accord? On inspire immobile ici. Et on expire en descendant. Puis on inspire en remontant. On expire en descendant. Vous pouvez regarder le sol en inspirant en montant. On expire en descendant.
Prenez votre temps, suivez votre souffle. Et en dernier. Et on descend maintenant jusqu'en fond de passe, bien sûr. Les orteils du pied droit glissent vers l'arrière. Et on va basculer un petit peu d'avant en arrière pour se retrouver en pince debout à nouveau. Lâchez bien la tête, n'hésitez pas à bien rentrer le menton pour étirer toute la colonne. Et quand vous voulez, poussez sur vos pieds, dos au plat, allongez tout. Profitez-en pour ressentir comment se sent le bas de votre dos. Expirez, descendez. Inspirez, croisez les bras juste devant vous, remontez, poussez sur vos jambes, votre bassin, tout le buste s'étire. Expirez, détendez tout. Calmez votre souffle, reposez-vous un petit peu. Voyez comment ces mouvements agissent sur vous. Est-ce que vous trouvez de la liberté dans les mouvements, de la créativité? Est-ce que vous arrivez à les adapter à vous aujourd'hui? Il nous reste quelques variations. Une seule debout et ensuite quelques autres sols. Ok, on est parti. Même chose. On trouve de la créativité même dans la répétition, vous allez voir. Inspirez, croisez, montez. Étirez-vous, expirez, descendez jusqu'en bas. Inspirez, dos plat, les bras fondent vers l'arrière. Et expirez, descendez. Remontez, inspirez, montez dos plat. Expirez, étirez les bras vers l'avant, nagez. Inspirez, ouvrez à nouveau, planez. Expirez, nagez. Dernière fois, on plane. Et on expire, on descend. Superbe. Posez les mains au sol. On va passer tout de suite en planche. Solide sur les bras, les jambes, les talons s'appuient loin derrière. Tout le corps agit. Et on va venir monter les fesses et tout de suite venir en chien tête en bas. Les fesses montent, on peut marcher un petit peu avec les mains vers l'arrière. On n'hésite pas à ajuster la position des pieds, des mains. Détendez le cou. Plantez le talon gauche. Inspirez, montez le talon droit vers le ciel, chien à trois pattes. Essayez de vous aligner. La jambe suit la ligne de votre dos. On n'essaye pas de monter trop haut, on n'essaye pas d'ouvrir la hanche. Grande inspire, les épaules aussi sont face au sol. Expirez, reposez. Inspirez, décollez le talon gauche, montez-le vers le ciel. Trouvez votre stabilité, allongez vos jambes. Et expirez, reposez. Superbe, retrouvez votre stabilité sur les deux pieds. Puis inspirez, plantez le talon gauche, montez le pied droit à nouveau. Et on est parti pour Wild Thing, la posture sauvage. Pliez légèrement votre genou gauche et venez poser votre pied à l'extérieur de votre tapis. À partir de là, on décolle la main droite, on pousse sur les deux jambes, le pied gauche est sur la tranche, le pied droit peut glisser un peu vers l'arrière. Et on va essayer de faire une belle arche avec tout notre corps. Ouvrez le bras droit si vous voulez. Expirez pour revenir en chien tête en bas. Ouh, superbe. De l'autre côté maintenant, plantez le talon droit, montez le gauche. Expirez, pliez le genou droit. Le pied gauche se pose à l'extérieur du tapis. Et même chose, dès qu'on y est, on pousse sur les deux pieds, sur les deux jambes. Le pied droit sur la tranche et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Poussez, poussez le bassin vers le haut. Et expirez, chien tête en bas. Encore une fois de chaque côté. Poussez les talons vers le sol, étirez votre dos au maximum. Inspirez, plantez le talon gauche, chien à trois pattes avec votre jambe droite. Expirez, le genou gauche se plie, le pied droit quitte le tapis. Grande arche avec votre jambe gauche et votre bras gauche. Revenez en chien tête en bas. Prenez votre temps. Si cette posture est trop intense, trouvez une petite variante qui vous convient mieux. Plantez le talon droit, montez le gauche. Et pliez, le pied gauche sort du tapis, on pousse le buste, le dos, on cambre, on peut ouvrir le bras gauche. Expirez pour revenir en chien tête en bas. Appuyez bien tout vers l'arrière. Poids du corps vers vos talons, les épaules détendues. Inspire une dernière ici. Et expirez, on va atterrir doucement sur les genoux, passez sur le bout des orteils, puis atterrissage en douceur sur vos genoux. Quatre pattes. On pose les coups de pied, on vient s'appuyer sur les talons, on déroule le dos. On détend les poignets, des petits cercles. Superbe.
Prenez le temps de vous installer sur le dos. Peut-être faites passer les deux pieds d'un côté, asseyez-vous, centrez-vous sur votre tapis. Et venez poser votre dos bien à plat sur le sol. Les pieds à plat si vous voulez pour commencer. Ressentez bien votre dos s'appuyer, sentez le tapis qui vous soutient. Et sachez que votre tapis peut vous accompagner pendant tout l'été. N'importe où, que vous soyez en voyage, en famille, toujours au travail, il n'y a pas de bonne occasion de pratiquer le yoga, c'est tout le temps. Je ne vous dis pas de faire une séance d'une heure tous les jours, où que vous soyez, mais simplement quelques petits mouvements, une respiration, un mantra, un mudra. Plein de petites choses qu'on peut glisser dans sa vie quotidienne, surtout en été quand souvent les salles de yoga sont fermées, quand vous n'avez pas votre prof préféré. Ok, plantez bien votre dos dans le sol, ancrez-le, massez-le si nécessaire, et quand vous le souhaitez, montez les deux jambes parallèles l'une à l'autre et les pieds parallèles à votre plafond. Collez bien le creux des reins. Et on va venir tout simplement 5 fois de suite avec nos mains d'abord sur les cuisses. Essayez de les monter le plus haut possible en les glissant, décoller les épaules peut-être, en tout cas laisser de l'espace entre le menton et le buste et aller le plus loin possible. Puis redescendez le plus lentement. Voilà, ça fait déjà 1. Il en reste 4. On inspire en bas et on expire vers le haut. 3. Reposez tout, détendez un petit peu, n'hésitez pas à plier les jambes, masser le dos, serrez les cuisses contre vous. Et à nouveau, retendez les pieds, poussez-les vers le plafond, ou le ciel si vous êtes en extérieur, dans votre jardin. Et cette fois-ci, 10 fois de chaque côté, donc 20. On va venir essayer de toucher le pied droit avec la main gauche, le pied gauche avec la main droite. On va essayer de compter, d'accord? On va compter à rebours, ça sera plus motivant. Inspirez bien et continuez à respirer quand vous serez en haut, ok? Allez, prenez tout l'air que vous pouvez. Et c'est parti. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Ne contractez pas le cou. 13, 12, 11, 10. Respirez. 9, 8, 7, 6. Décollez bien les épaules. 4, 3, 2, 1, et reposez la tête, le dos, lâchez les jambes. N'hésitez pas à faire les essuie-glaces avec les deux genoux, ou à bouger d'une façon complètement pas du tout académique, mais qui vous fait du bien, d'accord? Profitez-en, là, on s'en fiche à quoi on ressemble. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent. Ok? Dernière petite posture pour vous amuser. Si la chandelle est dans votre pratique, vous allez voir, ça va être super marrant. Si elle n'est pas dans votre pratique, vous pouvez reprendre juste la demi-charrue, les jambes tendues vers le ciel. Si vous connaissez, pratiquez, aimez la chandelle, placez-vous-y tout de suite. Montez vos fesses. Appuyez-vous légèrement sur vos mains, vos coudes. Détendez les épaules et aspirez un petit peu le ventre. Les orteils s'étirent et sont le plus attiré vers le ciel possible. Et là, on va venir bouger un petit peu les jambes. Déjà, on va descendre la jambe droite vers l'arrière de la pièce. Puis la remontée. Puis la jambe gauche. Puis à nouveau la jambe droite et on revient tout de suite droit. À nouveau, jambe gauche. Jambe droite. Jambe gauche. Et maintenant, on peut carrément faire des ciseaux. Jambe droite vers l'arrière, jambe gauche vers l'avant. On remonte et on continue. Attention à bien garder le dos droit. Décollez un peu le menton de la nuque et surtout essayez de vous fier à ma voix, ne tournez pas la tête. Les jambes peuvent être pliées, hein. Peu importe, bougez d'une façon qui vous amuse. Si vous êtes encore en demi-charrue, ça peut être exactement la même chose. D'accord? On s'amuse un petit peu, ça peut être plus rapide, vous pouvez faire un petit peu le vélo. Ok, amusez-vous. Ouvrez une jambe sur le côté, ouvrez une jambe sur l'autre, bougez n'importe comment, fléchissez les pieds. Et écartez les orteils, arrondissez un petit peu le dos vers l'arrière. Amusez-vous, je vous laisse encore quelques secondes, respirez bien, amusez-vous en chandelle,
Croisez les jambes, creusez un peu le dos, si c'est agréable. Viparita Karani Mudra. Ok, encore on bouge un peu. Tenez le coup. Et quand vous en avez assez, vous déroulez doucement le dos sur le sol, immobilisez-vous et ensuite, vertèbre après vertèbre, en retenant votre poids, reposez-vous sur le sol. Gardez les genoux contre vous. Serrez tout contre vous. Yes. Puis en s'immobilisant, pour finir, on va ouvrir les genoux, comme si on voulait les envoyer dans les aisselles. On encadre le buste avec les jambes. Et on va faire le bébé heureux pour finir notre pratique rigolote, fun de l'été. Attrapez vos gros orteils. Essayez d'envoyer la plante des pieds parallèle au plafond, encore une fois, ou au ciel. Poussez un petit peu les genoux vers le sol. Si la posture vous paraît un petit peu obscure, faites ce qui vous paraît le plus agréable. On peut rester peut-être les deux pieds collés et pousser les genoux vers l'avant. On peut même rester ici, les genoux contre la poitrine. Et si vous êtes en bébé heureux, encore une fois, amusez-vous. Essayez de tendre une jambe, essayez de tendre l'autre. Approchez les pieds, éloignez-les vers l'arrière, éloignez-les vers l'avant. Trouvez tout ce qui peut vous faire du bien, même si ça ressemble à rien. Écartez les deux jambes. Ok, trouvez de l'amusement dans chaque posture de yoga. Votre pratique doit être renouvelée, elle doit vous inspirer, elle ne doit pas être monotone. À moins que ça soit ce qui vous va, hein. Je veux pas vous. C'est ma vision des choses. J'aime beaucoup proposer des choses nouvelles, parce que moi ça maintient le feu, la flamme. Allez, je vais vous laisser, continuez à vous amuser, surtout dans votre pratique, ici ou ailleurs. Si vous voulez souffler un peu, Shavasana est toujours un bon moyen. J'espère que vous vous êtes amusé et que vous avez senti le feu de votre ventre. J'espère avoir nourri aussi le feu de votre créativité et que vous saurez vous amuser sur le tapis aussi longtemps que possible. Croyez-moi, le yoga n'est pas une mode, c'est un mode de vie. Je vous attends dans les commentaires, j'aime bien discuter avec vous quand j'ai le temps. J'adore vous lire, surtout. Et en attendant la prochaine vidéo, la semaine prochaine, je vous souhaite de très belles journées d'été devant vous. À très vite, mes très chers yogis, mes très chères yoginis. Namaste.